Aujourd'hui, c'est un vrai moment de bonheur parce que il y a une véritable déclaration d'amour envers l'hydrogène. Pour reprendre les propos de Nicolas Hulot, on peut dire que c'est un couteau suisse qui va pouvoir être produit par les énergies renouvelables, être stocké, être transformé, pouvoir être le carburant du futur. Donc aujourd'hui, on voit vraiment une entrée fracassante de l'hydrogène. Souvent, on a abondance d'énergie quand c'est pas là qu'on consomme le plus. Et on a pénurie d'énergie renouvelable au moment où il y a des grandes consommations. Donc chacun peut comprendre qu'il va falloir qu'on puisse stocker pour les moments de pointe. L'hydrogène va jouer un rôle majeur dans ce domaine-là. L'hydrogène va jouer un rôle très important dans la mobilité propre des grosses unités. C'est parce que l'hydrogène est un complément des énergies et qu'il permet d'atteindre une meilleure efficacité qu'on investit dans le projet de l'hydrogène et dans l'énergie observeur. L'emblème de cette politique de l'hydrogène, c'est énergie observeur. Sans l'hydrogène, on ne va pas au bout des ambitions de l'homme. Donc il faut maintenant que ces technologies rentrent dans le concret et c'est maintenant que ça se passe. Je suis content d'avoir participé à cette prise de conscience avec Energy Observer qui est un démonstrateur du potentiel de l'hydrogène et de ce fameux cercle vertueux de l'énergie associant les renouvelables et l'hydrogène comme forme de stockage.